Mercredi 5 janvier 2022, bienvenue Madame, Monsieur dans l'édition du soir, voici les titres. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akwatayan, a procédé ce mercredi 5 janvier 2022 à l'installation officielle des membres du comité d'audit interne et celle du comité de maîtrise des risques. Les détails sont à suivre en début de journal. Votre chaîne de télévision ETélé a offert ce mardi un dîner de réjouissance à l'endroit de ses animateurs et invités. Ceci à l'occasion de la nouvelle année, mais aussi et surtout pour faire découvrir aux collaborateurs STEN les nouveaux locaux de la chaîne Sisafi Diocé. L'année 2022 sera sous de bons auspices, mais il faudra prendre quelques précautions. Les conseils du métaphysicien Maître Raimi Amoussa sont à suivre à cet effet. Voilà, bienvenue dans le développement. Les membres du gouvernement se sont réunis en Conseil des ministres ce mercredi 5 janvier 2022 sous la présence du chef de l'État, Patrice Talon. Et plusieurs grandes décisions ont été prises. Au nombre de celles-ci figure la création des aires marines protégées de Donatin à Cotonou et de la Bouche du Roi à Grand Popo, la réalisation des études relevées et d'évaluation des biens impactés par le projet de parc solaire et d'extension de la zone économique spéciale de Glodjigbé. Nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions sur ce compte rendu du Conseil des ministres. Et puis on vous l'annonçait dans les titres, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a procédé ce mercredi 5 janvier 2022 à l'installation officielle du comité d'audit interne, de même que celle du comité de maîtrise et des risques. La séance a connu la présence des chefs services et cadres du dit ministère. Je vous invite à suivre un extrait du ministre de tutelle, Raphaël Akwatayan. Nous sommes ici cet après-midi pour l'installation officielle de deux dispositifs majeurs au service des organes de contrôle de l'ordre administratif. Il s'agit du comité ministériel d'audit interne et du comité ministériel de maîtrise des risques du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la modernisation de notre administration aujourd'hui n'est plus une option, mais plutôt une obligation qui est de répondre aux exigences d'une plus grande transparence dans l'utilisation des ressources publiques aux fins d'accroître la valeur ajoutée, de maîtriser les risques et d'améliorer la performance et la qualité des services publics. Face à cette réalité tangible, une refonte totale, voire radicale, du principe de contrôle dans le secteur public s'impose en transformant le contrôle classique en un contrôle d'efficacité à travers la création et la structuration de la fonction d'audit interne dans toutes ses formes au sein du secteur public. C'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence Monsieur Patrice Talon, dès le début de son premier quinquennat, a entrepris, au niveau des organes de contrôle de l'ordre administratif, d'importantes réformes qui ont abouti à la prise de tests réglementaires dont la finalité est de réduire la vulnérabilité des 10 organes et par conséquent d'accroître leur efficacité et leur contribution pour l'amélioration de la qualité de la gouvernance au niveau des services publics. Monsieur le Président du Comité ministériel d'audit interne, Monsieur le Président du Comité ministériel de maîtrise des risques, Mesdames et Messieurs les membres du comité, il convient de rappeler que les attributions qui sont les vôtres sont définies dans les tests cités supra, régissant donc vos comités. Vous êtes appelés à faire une œuvre décisive en traçant une cartographie adéquate des risques aux fins de mettre en place un bon système de contrôle au sein de notre ministère.
Votre chaîne de télévision a offert ce mardi 4 janvier 2022 une réjouissance à l'endroit de ses animateurs et invités. C'est un dîner organisé à l'occasion de la nouvelle année, mais aussi et surtout pour faire découvrir aux collaborateurs Esten les nouveaux locaux de la chaîne de télévision CISA Fige-Rosset. Suivez dans cet élément les temps forts. C'est une soirée de retrouvailles à double sens. La première, partagée avec les collaborateurs à l'interne comme à l'externe, quelques moments de convivialité pour le combat mené tout au long de ces 365 derniers jours. Des collaborateurs qui ont su faire preuve de disponibilité à travers différents programmes qu'offre la chaîne de télévision ETélé. Le second, leur fait découvrir le nouveau site de la chaîne. Vous êtes les premiers à qui nous montrons les lieux parce que vous le méritez. Sans vous, pas de programme. Donc, nous le faisons avec vous. C'est notre nouveau slogan, avec vous, pour vous, tout simplement parce que pour atteindre l'excellence, qui était le programme, le slogan quand je suis arrivé, il fallait un certain nombre de conditions qui n'étaient pas encore réunies, qui ne sont pas encore réunies. Et donc nous travaillons à ce que ces conditions soient réunies. D'abord, un programme qui attire, notre programme qu'on croit donner la parole à plus de personnes possibles pour la pédagogie. Et comme nous sommes en début d'année, on a voulu joindre l'agréable à l'utile. Des échanges à bâtons rompus, occasion de faire le bilan, mais aussi des projections pour 2022. Pour ces invités présents à ce dîner, c'est un motif de satisfaction. Ils n'ont d'ailleurs pas caché leurs impressions. C'est le démarrage d'une nouvelle année, donc c'est l'occasion de se présenter des vœux. Mais c'est aussi l'occasion du déménagement de la chaîne ETélé dans des nouveaux locaux. Et donc vraiment, j'implore la bénédiction du Tout-Puissant sur le directeur général et sur toute l'équipe de la chaîne pour que l'intégration de ces nouveaux locaux offre un nouveau souffle, une nouvelle dynamique à la chaîne ETélé qui était déjà sur la très bonne voie dans l'objectif d'un nouvel écosystème des médias au Bénin. La chaîne ETélé est une chaîne qui a une valeur ajoutée en termes d'éducation, en termes d'information, en termes de précision dans l'information. Le rôle du journaliste, on dit, c'est trois choses. C'est divertir, informer, éduquer. Sur ces trois éléments, la chaîne ETélé travaille activement tous les jours, 24 heures sur 24, pour pouvoir être au point. Vous savez, ce qui me plaît dans ETélé, c'est la possibilité, la capacité, puis l'envie de donner la parole aux jeunes, c'est-à-dire la volonté de dire, dites ce que vous pensez pour faire développer le pays. Nous venons le plus souvent sur des émissions simplement parce que nous pensons que nous disons le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce que ETélé nous donne, la possibilité de donner le meilleur de nous-mêmes. ETélé, c'est une chaîne qui permet à tout le monde de s'exprimer. Mais nous formons une grande famille que nous y aurons. C'est tout un plaisir. Et donc, nos remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui ont bien voulu penser nous mettre ensemble dans ce cadre de convivialité à l'occasion non seulement de la découverte du nouveau site de ETélé, mais également qui s'y a la circonstance avec la nouvelle année. Vous savez, je suis honoré, vraiment honoré d'être convié à cette fête. Lorsqu'on parle de la télévision avant tout, c'est la formation par l'information. Et lorsque le directeur général, lorsque le personnel pense à des initiatives pareilles pour solidifier, pour réunir, pour faire converger tous ceux-là qui d'une manière ou d'une autre contribuent à cette formation à l'endroit des téléspectateurs, c'est une initiative à encourager et je profite de l'occasion pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs de ETélé et dire l'année 2022 vient de prendre son envol et ça c'est pour de meilleurs. Nous serons là pour vous, nous serons là pour les téléspectateurs, nous serons là pour créer plus d'impact. Parce que qui a la connaissance a le pouvoir et qui a le pouvoir aura la richesse. Qui a la connaissance a le pouvoir et qui dispose du pouvoir a la richesse. ETélé s'est résolument engagé dans cette dynamique depuis plusieurs années, celle d'informer, éduquer et divertir. Voilà, et à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux entre personnel et collaborateurs de ETélé, une équipe de la rédaction a approché Maître Raimi Amoussa, il est métaphysicien. Il nous renseigne sur ce que réserve la nouvelle année 2022 dans une dimension métaphysique. Le respect de toute autorité et entité représente les traits forts pour l'année 2022. Une année universelle qui connaîtra plus de signes dont la surprise et à la fois des réalisations sont des points que le métaphysicien Raimi Amoussa évoque. Année universelle, c'est le millésime qu'il faut toujours voir, dont le 22. Un nombre dit de maître nombre.
C'est un des noms de la femme, de la grande femme, on va dire ici de la Minona et donc de la Vierge Marie. C'est une année qu'on appelle l'année sous l'autorité de ce que nous appelons les sorcières. Nous appelons leur nom avec référence, avec déférence comme on dit. Ce sera une année de surprise, à la fois de réalisation, mais à la fois de surprise du fait que la réalisation peut subir la surprise de ce que nous appelons les forces négatives. Du fait que le 22, son karma, c'est le zéro. Ça veut dire quoi? C'est une année qui est sous le commandement de l'entité que nous appelons l'Egba et Tolegba. Ça veut dire quoi? Toute autorité doit être respectée à partir de l'autorité du chef de l'État. 2022 ne sera pas une année de stabilité seulement. Pour le métaphysicien Rémi Amoussa, la population doit maintenir la veille. Le Bénin, depuis le 1er août 2021, est sous la vibration 14, qui est dit de dette karmique, nombre du travail. Mais dans le même temps, le 4, c'est Troukwemedi. Ça veut dire quoi? Possibilité qu'il y ait des maux de ventre, hein? Qu'il y ait des microbes, comme on dit. Ça veut dire quoi? La vigilance totale. Et ce 14 va gérer le Bénin jusqu'au 1er août 2022. Ça veut dire que le Bénin est potentiellement en année où, à tout moment, l'édifice peut être percé. L'ennemi peut venir de partout. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Le 4 est appelé dans le phare Troukwemedi et le 1 est appelé l'Etemedi. Or, l'Ete veut dire la volonté. Troukwem veut dire grossesse. Mais grossesse qui peut connaître l'avortement, ça veut dire quoi? Vigilance. De tous les aspects soulevés, chaque citoyen sait à quoi il doit s'en tenir pour l'année 2022, gage d'une année prospère. À Cotonou, comme dans les grandes villes du Bénin, il n'est pas rare de voir en pleine agglomération des caniveaux à ciel ouvert, parfois source d'accidents de la route. La rédaction est allée faire le constat sur le terrain. On retient qu'élus locaux et riverains invitent les autorités compétentes à réparer ces caniveaux d'évacuation des eaux. C'est un phénomène qui interpelle à plus d'un titre la conscience de tous, mais n'inquiète guère. Les carnivaux à ciel ouvert, on en dénombre au quotidien ici dans la ville de Cotonou comme partout ailleurs. Partant de l'incivisme des populations ou encore de l'indélicatesse de certaines personnes mal intentionnées, les justificatifs y vont selon les cas. Par rapport aux carnivaux à Cotonou, faut qu'on les répare pour qu'on soit à l'aise, quoi. Ça cause beaucoup d'accidents. Par rapport aux caniveaux, si on ne les ferme pas, peut-être dans la nuit, tu ne vois pas, tu mets le pied dedans et puis tu casses tes pieds. Soit si tu es sur Zim là, Zim peut rentrer dans les caniveaux et il y aura des accidents. Et les autorités doivent nous aider à réparer les caniveaux pour que la population soit à l'aise. Aujourd'hui, vous voyez, les caniveaux sont ouverts. Même les gens qui viennent nettoyer les caniveaux là. S'ils nettoient au lieu de bien fermer, ils ne ferment plus. Soit les gens qui font les choses de cancola, ils enlèvent les choses de les couvertures. Vous voyez non? Et les enfants sont là, voilà l'école qui est tout plein là. Les enfants tombent dedans. Mais quand tu marches et tu pars avec ton second, vous marchez à deux, toi-même un grand, tu tombes dedans, tu casses le pied en même temps. Ouais, c'est pas bon. Le devoir de ça là, c'est la mairie. C'est la vente des cancola, comme dit cancola, qui a fait que la nuit, les individus mal intentionnés vient l'enlever et il arrivait des fois même que des privés fabriquent ces fers-là et mettent du ciment dessus, mais la nuit, ils viennent casser ça. Donc nous sommes obligés de placer ces pneus-là pour éviter que les enfants tombent dedans. Parce qu'à côté de nous, il y a deux écoles. C'est dramatique parce que les enfants tombent dedans. Et il y a trois jours, il y a une élève qui est tombée dedans et a cassé les pieds. Parce que tu vois, tout ça là, c'est des dépenses pour les parents. L'enfant va à l'école et revient avec les pieds cassés alors que papa n'a pas ce projet-là. Mais il va courir maintenant pour aller à l'hôpital. Donc nous demandons à ce que la mairie ou l'État s'occupe de ça et fabrique ça et mettre les polices à côté pour la surveillance, la sécurité de ces choses-là. Parce que ça va de notre vie. Cela y va de la vie des usagers qui pratiquent tous les jours ces différents axes. Les élus locaux ont bien conscience du phénomène.
Ils s'en désolent, mais rassurent de ce que les voies hiérarchiques s'y penchent. Vous savez, c'est vraiment dangereux pour les usagers parce que parfois c'est une rue qui est très 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 fréquentée. Les écoles sont dans la zone, les enfants y passent. Et la fois dernière, j'ai été informé de ce qu'il y a un enfant qui est tombé dans un avaloir. Et je crois que c'est des conséquences par rapport à nos parents, à nos parents qui envoient les enfants à l'école et qui reviennent avec des séquelles. C'est un constat réel que vous voulez de faire avec nous. Et il est aussi vrai que les dalettes sont un peu dégradées, les avaloirs qui sont partis dû à l'incivisme de certains qui viennent les emmêler pour les vendre. Mais je crois aussi que des dispositions sont en train d'être prises parce que c'est des questions qui sont remontées au niveau du conseil de l'arrondissement. Les dispositions sont en train d'être prises par rapport à un planning avec lequel la mairie travaille pour le remplacement de ces avaloirs. En attendant la réaction des autorités compétentes, les populations sont invitées à adopter des comportements citoyens et patriotes, gage d'un développement durable. Et on s'intéresse cette fois-ci à la drépanocytose, maladie génétique qui altère l'hémoglobine. Les spécialistes recommandent vivement le dépistage et ceci au regard des risques que présente le mal. La drépanocytose, ça vous dit quelque chose? La trépa, les hématies, ça vous dit bien quelque chose? Ben voilà peut-être la problématique. La drépanocytose est l'une des maladies les plus fréquentes et les plus mortelles dans le monde. Elle se manifeste à travers plusieurs crises très souvent douloureuses et critiques. En termes clairs et simples, on peut retenir que la drépanocytose est une maladie génétique, c'est-à-dire qui a son origine dans les gènes, qui peut être transmise des parents aux enfants. Lorsque deux parents porteurs de traits ou porteurs de la maladie mettent au monde un enfant, cette maladie se manifeste essentiellement à travers des crises douloureuses ostéo-articulaires. Les crises, qu'on appelle les crises vaso-occlusives, sont des douleurs qui surviennent au niveau des os ou des articulations et qui sont extrêmement douloureuses. On peut avoir des manifestations, toujours en parlant de la crise vaso-occlusive, elle peut se manifester au niveau de l'abdomen. L'analyse principale, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est elle qui permet d'aller déterminer le type d'hémoglobine que la personne porte. Ceux qui sont AS ou AC ne développent pas des crises vaso-occlusives. Ils ne développent pas de symptomatologie douloureuse liée à la présence du S. Ils peuvent développer des symptomatologies douloureuses mais liées à d'autres pathologies. D'accord. Une simple arthrose ou une arthrite ou n'importe quelle autre pathologie articulaire douloureuse peut les toucher. Mais cette douleur n'est pas liée à la présence de l'hémoglobine S ou C puisqu'elle n'est pas prépondérante dans leur génotype. La drépanocytose est héréditaire. Nombreux sont ceux qui en ont souffert et qui nous ont laissés trop tôt. J'ai eu des amis qui souffraient de cette maladie. J'ai dû souffrir parce qu'il y en a qui ne sont plus là. C'est une maladie assez particulière qui mérite toutes nos attentions. Les jeunes amoureux doivent prendre leurs précautions afin d'éviter que ce mal ne touche à leur progéniture. Il importe que nous jeunes, que mes pères jeunes puissent prendre ça au sérieux. On ne se met pas ensemble du jour au lendemain et envisager peut-être vivre ensemble. Et on ne se met pas ensemble, on ne se permet pas d'aller peut-être au CES sans se protéger. Si entre-temps on ne connaît pas l'état, l'électrophorèse de son ou sa partenaire. Il faut d'abord penser à ces êtres innocents qui vont voir le jour avant de poser nos actes. Il ne faut pas qu'au nom de l'amour, hypothétiquer l'avenir des enfants. Il importe de choisir entre la souffrance et le bonheur. Encore que la souffrance, ce n'est pas forcément pour eux, parents de façon directe. Ce sont ces enfants-là qui viennent au monde, qui n'ont rien demandé à personne et qui viennent souffrir. Il faut sensibiliser davantage et amener les gens à voir les multiples problèmes que cause la maladie. Si on continue d'en parler, c'est parce que
l'information n'est pas encore accessible à toutes les couches de la population. Et de deux, parfois il arrive que même lorsque les gens se savent porteurs de traits, puisque lorsque l'une des personnes présente déjà la présence de l'hémoglobine S ou C dans son génotype, il n'est pas conseillé qu'il aille avec une autre personne qui a également la présence du S ou du C dans son génotype, c'est-à-dire AS et AC ou AS et AS, c'est déjà pas du tout déconseillé. Donc parfois il arrive que même quand les gens savent qu'ils sont porteurs, c'est l'amour qui est plus fort que tout et ils ont envie de rester ensemble. Ils ont envie de croire qu'ils auront la chance d'avoir un enfant AA. Néanmoins, il existe plusieurs formes de cette maladie, les unes plus graves que les autres et parfois même sans aucun signe révélateur. La forme la plus grave, c'est la forme SS. Et ensuite, il y a la forme SC. A priori, ce sont les deux. À part les formes SS et les formes SC, il y a aussi la forme CC qui est pratiquement asymptomatique. Hein. Parfois, les gens se découvrent drépanocytaires à l'âge de 40, 45 ans parce qu'ils sont CC et parce que de toute leur vie, ils n'ont jamais fait de crise vaso-occlusive. Le dépistage doit être fait dès le bas âge afin de permettre à chaque enfant de connaître avec qui s'accoupler afin d'éviter le pire. Il est très important que chaque personne, dès l'enfance, les parents fassent aux enfants le dépistage, l'électrophorèse, pour connaître leur statut vis-à-vis de cette maladie. Lorsque tu fais ton électrophorèse de l'hémoglobine, s'il y a un soupçon, c'est toujours bien de se faire suivre à l'hôpital parce que quand bien même il n'y a pas de manifestation extérieure, il peut y avoir des complications internes. L'hydratation est la meilleure des solutions afin de réduire les risques de crise grave. Il est conseillé qu'on prenne au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Oui. Alors chez les drépanocytaires, on va jusqu'à 3 litres. Chez la personne adulte, chez les enfants, à partir de 2 litres. Parce que cela permet de, pour utiliser un terme simple, de fluidifier. Puisque le mécanisme des crises vaso-occlusives, c'est un mécanisme vasculaire. C'est parce que le sang est épaissi par l'hémolyse chronique. Et c'est ça qui entraîne les douleurs au niveau des os. Donc c'est l'hydratation qui est la première mesure. La deuxième mesure, c'est la prise d'acide folique, c'est-à-dire la foldine à vie. Porter une maladie n'est pas signe de faiblesse ou de relâchement. Il faut malgré tout avancer et toujours avoir la tête haute face aux situations de la vie. Avoir un handicap, c'est chiant, mais c'est... Après, je parle pour ma part parce que c'est juste une drépanocytose, quoi. Il y a des maladies bien pires, mais c'est vrai que ça m'a quand même gâché beaucoup de moments dans ma vie. Mais c'est pas ça, en fait, qui va te faire... Faut pas se dire que la vie, elle s'arrête là. Ouais, je suis malade, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci. Faut tout le temps se dire, ouais, ok, je suis malade, mais même en étant malade, je peux faire ça parce que j'en ai envie, en fait. Faut tout le temps foncer, faut oublier la maladie de temps en temps, je crois. La drépanocytose, ça vous dit quelque chose? Serait-ce à cause de l'ignorance du public sur son existence? On le sait, rien n'arrêtera plus désormais nos échanges, nos brassages, nos mélanges, nos métissages. Voilà, c'est sur ce magazine de Nafissa Touassani que nous refermons cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Le grand soir se poursuit avec Stan Amoa. Continuez de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebénin.com. Notre page Facebook, ETL en direct. Notre compte Twitter, ETL Live. Notre chaîne YouTube, ETL Bénin. Puis en direct via l'application iOS et Android, ETL Bénin.